Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, mon coloriage mystère, voilà, je l'ai terminé. Alors comme vous avez vu, j'ai fait mon premier coloriage mystère au crayon, voilà, au crayon de couleur, avec les bruts funeurs. C'est toujours pas le dire. Je vous remets le nom en bas de la vidéo. Bon, j'ai aimé le faire, c'est mon tout premier, il n'y a pas de souci. Bon, je ne vais pas en faire tous les jours, hein. Non, non, puisque moi je suis plus en coloriage traditionnel. Le prochain que je ferai, parce que bon, bah, je vais quand même continuer à en faire, hein. J'ai pas acheté le livre pour en faire qu'un, normal. Je l'essaierai avec les feutres. Voilà, comme ça, je vais voir la différence. Je vais faire plusieurs techniques sur ce livre. Comme ça, je vais voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et ça, en même temps, ça vous permettra aussi de voir différentes techniques de coloriage mystère. Voilà. Je vais essayer avec les feutres. Avec les feutres que j'ai achetés pour Chouchou. Voilà. Parce que, en fin de compte, lui, il les a essayés. Vous savez, la pochette noire que je lui ai achetée, il les a essayés, mais lui, il les aime pas. Bon, ça arrive. Alors, je voulais les renvoyer à Amazon. Donc, j'avais déjà fait, remis dans le carton, refait le bon de renvoi. Et puis, la nuit, portant conseil, j'ai dit. Parce que bon, lui, il l'avait fait, mais ça lui faisait plein de traces. Donc j'ai dit, c'est quand même bizarre que ça lui fait plein de traces en coloriant. Donc j'ai fait un petit essai comme ça sur une feuille de brouillon. Et enfin, j'avais tout emballé. Le colis était fermé. Voilà. J'explique dans l'ordre, ce sera mieux. Et donc la nuit portant conseil. Juste quand même bizarre parce que bon, j'avais vu des bons retours sur ces feutres dans les avis d'Amazon et j'ai quand même trouvé des vidéos sur YouTube aussi. Et donc, j'ai dit à Chouchou, je sais pas, j'ai envie quand même d'essayer tes feutres. Je sais pas, c'est bizarre. Donc, j'ai rouvert le colis comme j'avais fait pour les renvoyer. J'ai essayé, donc j'ai essayé sur une feuille de brouillon. J'ai dit, ben non, ils font pas tant de traces que ça, tes feutres. Donc il me dit, ben alors il dit, c'est moi qui ne dois pas savoir m'en servir. J'ai dit, peut-être. Et du coup, je dis, ben écoute, je ne vais pas les renvoyer. Comme de toute façon, on a un mois pour les renvoyer. Je vais les essayer et puis on verra bien. Donc, j'ai récupéré les feutres, donc pour moi. Je vais les essayer sur le prochain colo mystère que je ferai. Et puis, je verrai, je vais me faire une idée, mais bon, je pense que normalement, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que je vais récupérer la trousse de feutres bah, pour moi. Voilà. Sinon, ben voilà. Donc, moi, j'ai terminé mon colo mystère. Donc, je l'ai fait au crayon. Alors, j'ai pas osé trop trop appuyer pour l'instant, faire trop pigmenter mon dessin. Voilà, puisque c'était le premier. On verra les suivants comment je ferai. Mais là, bon, pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas osé trop pigmenter pour voir ce que ça allait donner. Et là, c'est vrai que quand on le regarde comme ça, bon, il a besoin d'être un peu plus pigmenté. Mais bon, il est joli. Voilà. Il est joli. Bon, le résultat n'est pas pareil que quand je fais des colos traditionnels, hein, c'est sûr. Mais bon, c'est bien. C'était une bonne petite récréation. Ça va être des petites récréations que je ferai de temps en temps pour me changer, les idées. Entre mes autres coloriages. Voilà. Comme je vous dis, je ne vais pas faire des colos mystères tous les jours. Je ferai peut-être une fois par semaine. Voilà.
Par contre, je me suis fait piquer par un moustique, ça me pique. par contre, les colos mystères, voilà, je pense, à moins que je fasse une technique spéciale dessus, je vous les passerai toujours en speed coloring, c'est-à-dire en vitesse rapide, puisque là, bon, il n'y a pas grand-chose à... Il n'y a pas de technique particulière, sauf que je vous dis quand je ferai vraiment une technique dessus. Voilà, là pour l'instant, il est en speed coloring. J'espère que ça vous va quand même. Le principal, c'est de voir le résultat. Voilà, donc je vais vous laisser visionner cette petite vidéo. J'espère que le résultat va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voyez des défauts, ben, ça se peut, hein. N'hésitez pas à me le dire, hein. Là, c'est vraiment, c'est mon tout premier, donc je vous dis, j'en ai jamais fait avant. Donc là, j'ai vraiment été léger. Et le prochain, on verra ce que ça donnera au feutre. Voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup ce livre. J'aime bien les motifs qui sont proposés. Donc voilà. Je rappelle, ah oui, je rappelle, c'est le livre, donc c'est Colo Mystère, Babies Disney, donc les bébés de Disney. Il y a de jolis, jolis, jolis modèles dedans. Donc je vous remets en barre d'infos le lien de ce livre. Je vous mets en barre d'infos également les crayons dont je me suis servi pour pour faire ce coloriage. Voilà, donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus pour retrouver sur Amazon, puisque moi je commande principalement sur Amazon. Je sais, ne me criez pas dessus. Bon, je commande principalement sur Amazon. je sais, il y a les pour Amazon et les contre Amazon, mais bon, moi je suis pour Amazon. Voilà. Mais je regarde quand même quand je commande sur Amazon. Je ne commande pas quand je vois que c'est des boutiques chinoises, par contre. Voilà, ça, on arrive à le voir tout de suite hein, quand c'est des boutiques chinoises. Parce que maintenant, c'est pareil sur AliExpress, je ne commande pour ainsi dire plus. Je me rappelle pas d'avoir commandé sur AliExpress. Avant, je commandais énormément sur AliExpress. Maintenant, oh non, je me rappelle pas d'avoir commandé dessus depuis. Oh, ça fait des mois, je crois, des mois et des mois que je n'ai pas commandé sur AliExpress. Et je ne suis vraiment plus attirée par ce site. Il faudrait vraiment que je cherche un truc et que je le trouve vraiment pas du tout ailleurs pour aller commander là. Non, AliExpress ne m'attire vraiment plus. En plus, j'ai l'impression que maintenant les prix ont super beaucoup augmenté. Et puis là, je crois en plus que maintenant il va y avoir des frais de port à partir du mois de juillet, je crois. Il y aura des frais de port aussi sur AliExpress. Donc les frais de port venant de Chine, je ne sais pas combien ça va faire, mais je crois que ça va faire mal au porte-monnaie. Enfin, on verra bien. Mais moi, c'est vrai que sur AliExpress, je n'y vais vraiment plus. Vraiment, je sais plus quand est-ce que j'y étais. Voilà. Je sais pas à vous ce que vous si vous y allez, si vous y allez pas, mais bon, moi non, c'est vraiment oh ouais, ça fait plus de 6 mois, même ah oh ouais, plus, beaucoup plus, je sais même plus, ça, j'ai même plus le souvenir d'avoir passé une commande dessus. Donc voilà, allez, je vous laisse visionner cette petite vidéo. On est week-end, donc je vous souhaite un bon week-end avec le soleil. Ça y est, il est là, il fait chaud. Les oiseaux sifflent. Les chiens aboient dehors. Vous entendez? Ah, ça y est, il ne dit plus rien. C'est pas les miens, c'est les chiens des voisins. et moi, je vous fais plein, plein. Le gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Je vous souhaite un bon visionnage. Bisous, bisous!